Et 3, 2, 1, yosh la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Papa Dame au rapport. Alors oui, je sais, vous vous êtes tous posé la même question, où changer son argent quand on voyage? Et c'est le sujet de cette vidéo, ça tombe bien, on vient d'atterrir en Malaisie et Kuala Lumpur sera notre terrain de jeu pour aujourd'hui. Donc là, on vient d'arriver à l'aéroport Kailia 2 de Kuala Lumpur et ce qu'on va faire, on va considérer qu'on a 1000 euros en poche et on va essayer d'échanger des ringgits. Alors c'est parti, suivez le guide. Alors, je viens juste de regarder sur mon application exactement le taux en ringgit du jour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on est exactement à 4,49 ringgit pour 1 euro. Donc voilà. Et donc là, je vais aller voir le petit bureau de change derrière parce que le conseil numéro 1, c'est est-ce qu'il faut changer son argent dans un aéroport? I like to change 1,000 euros in ringgit, yeah. How much can I get for this? Alors, il est annoncé à 4,10. Donc, ça ferait 4,100 ringgit. Do you have any fee or something? Or... No fee, no charge, ok. Yes. So, 4,100. This is official and you can do up to this? Ok. Ok. I come back, thank you. Information incroyable. Donc le taux est à 4,10, donc c'est-à-dire 1000 euros, 4,100 ringgit. Donc je devrais avoir 4,100 ringgit. Mais le gars, il a vu que j'étais en train de filmer, il m'a proposé 4,300 ringgit. Donc voilà, sachant que le taux du jour est 4,49, j'aurais dû avoir 4,490 ringgit. Donc c'est bien évidemment l'information numéro 1. Ne surtout, ne changez pas votre argent à l'aéroport. C'est de l'arnaque. Partout dans le monde, c'est de l'arnaque. Le mec, il savait qu'il était filmé. Il a ouvertement monté son taux et je lui ai dit bon que j'allais étudier ça. Donc vous allez vous dire, oui mais toi Damien, qu'est-ce que tu fais quand tu voyages? Bah moi c'est très simple, je ne pratique aucun bureau de change, jamais. J'ai ma carte N26, donc c'est ma carte bleue. J'ai un deuxième compte chez N26, c'est une banque allemande qui fait une carte bleue où les retraits partout dans le monde sont gratuits et les paiements sont aussi gratuits. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun frais de retrait et de paiement avec cette carte. Donc vous avez deux types de cartes N26. Donc évidemment, je vous fais un peu de pub parce que je suis convaincu, ça fait un an que j'utilise cette carte, elle est extraordinaire. Donc voilà, si vous prenez la version gratuite de la carte, eh ben, vous allez pouvoir payer gratuitement partout dans le monde sans frais. Par contre, les frais de retrait, il y aura 1,7% de retrait. Par contre, si vous prenez comme moi la version à 9,90 par mois, vous n'aurez aucun frais, ni retrait, ni paiement. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, mon conseil numéro 1, c'était évidemment ne retirez jamais dans les aéroports. Mon conseil numéro 2, c'était si vous avez la carte N26, je vous ai mis un lien en bas dans la description si ça vous intéresse. Évidemment, j'ai une affiliation parce que je suis partenaire avec eux, donc aucun problème. Mais en tout cas, vous n'êtes pas forcé de la prendre. Et je vais vous dire encore une raison pour laquelle j'aime N26. Ça permet d'éviter de se balader avec des milliers d'euros sur soi. On paye quand on veut, on retire du cash par petites sommes quand on veut. Et ça, franchement, c'est un vrai avantage parce que moi, quand je me balade avec 1500 euros, je sais pas vous, moi, ça me fait flipper. Donc, si vous n'avez pas de carte N26 ou autre, vous allez suivre le guide. On va prendre ces 1000 euros. On va partir dans Kuala Lumpur. Et pour ça, j'ai une application smartphone et un site web. Ça s'appelle Get4X, Get4X. Ça te donne en temps réel le taux de change partout dans chaque bureau de Kuala Lumpur. Alors, là, on est sur le téléphone. Vous avez vu le ringgit à 4,49. Et là, je vais passer sur Get4X. Donc, vous voyez, c'est cette application qui est juste là. Voilà. On rentre sur l'application, on sélectionne Kuala Lumpur. Et là, on a tous les bureaux. Automatiquement, en fonction de votre localisation, vous faites ce Recommended. Il va vous sélectionner les trois bureaux de change les plus intéressants. Donc, regardez là, on en a un à 4506, 4483, 4490. Donc, ouais, vous n'avez pas rêvé. Il y en a un qui est annoncé à 4506. Qui est plus que le taux du jour, qui est à 4,490. Donc, ça peut valoir grave le coup. Donc, ça va être le premier bureau de change qu'on va aller tester. Allez, on part en ville. On va aller voir si cette application, elle est véridique et si le bureau de change pratique exactement ce qui est marqué là. Je suis curieux quand même parce que ça permet de garder de l'argent assez facilement. Donc, voilà la team. On vient de prendre le Kailia Express, le train pour arriver en centre-ville. Et là, en centre-ville, à la sortie du Kailia Express, il y a un bureau de change qui est juste devant nous. Il s'appelle Major Exclusive, on va regarder le taux qui est là, affiché. Le taux du moment, je ne sais pas si vous voyez, c'est 4420 ringgit, c'est 4,42.
Donc déjà, rien qu'ici, c'est beaucoup plus intéressant qu'à l'aéroport, 4420 ringgit. Donc même à l'arrivée du train, autant prendre ici, vous avez déjà gagné, par rapport à l'aéroport qui est à 4100, vous avez déjà gagné 320 ringgit, si je dis pas de bêtises. Mais on va trouver mieux, on va trouver beaucoup mieux dans ce vlog, on va vous montrer le meilleur bureau de change de Kuala Lumpur. Donc voilà la team, comme je vous avais dit, je me suis rendu sur le site de get4x.com et là, en fait, donc j'ai rentré dans le système, voilà, que j'avais 1000 euros à sélectionner et le meilleur taux du moment, c'est 4505 ringgit. Et ici, il vous donne la liste de tous les bureaux de change en live. Donc c'est le premier, c'est Ahmed Ghezali Ahmad et lui, il est à 4505. Voilà, dans l'ordre à Brookfield, Millennium, Spectrum, nanana. Donc on va essayer d'aller voir les quatre premiers là pour vous donner par district, par région de Kuala Lumpur où vous pouvez avoir le meilleur taux. Donc en tout cas, le Ahmed Ghezali, si je n'ai pas de bêtises, il est ici. Voilà, il est juste ici. Donc si vous notez, donc là on est à Majid Jamek. Majid Jamek, c'est juste ici. Là c'est Bukit Bintang. Là c'est le quartier de KL Central. Et donc on va se rendre d'abord à Ahmed Ghezali pour voir si vraiment il est bien à 4505 ringgit. Ensuite on ira à Nu Central et on partira ensuite au fameux ici Mid Valley. Mid Valley qui a la réputation de toujours avoir les meilleurs taux de Kuala Lumpur. Mais d'après ce site, ça semblerait faux. Ça semblerait faux, il serait seulement un peu moins à 4480 chez MV Forex. Donc voilà, allez, c'est parti, on prend le scoot. Bon voilà la team, on est arrivé juste devant. Petite enseigne verte, rien de foufou. Et on va aller vérifier. Donc, je viens d'arriver devant, hein, et malheureusement, c'est pas du tout ce qui est annoncé sur le site internet. On est à 4465, donc bien loin des 4500 annoncés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper gaffe sur le site. Le site est officiellement faux. Et je ne sais pas comment ils font pour être en tête du classement toutes les semaines depuis plusieurs semaines que je monitore ça. En plein appel à la prière, je suis au quartier de Majid Jamek. Et donc le site internet est faux. Je répète, le site internet est faux. C'est pas du tout ce qui était annoncé, donc on change de quartier. On se retrouve à Nu Central dans quelques instants, en espérant bien atteindre les 4500 ringgit pour 1000 euros. Bon voilà la team, après exactement un quart d'heure de route, environ 15 ringgit en grab hein, pour venir jusque là ou en taxi, on est au rez-de-chaussée, même au lower ground 2 de Nu Central, le mall. Et on avait vu que le Global Millennium Trade sur le site était classé en deuxième position. Donc immédiatement, vous voyez la supercherie, on est annoncé à 4,46. Donc ce qui est marqué sur le site, c'est juste archi faux, de chez faux, de chez faux. Donc ne vous fiez pas à tous ces sites en ligne. C'est ça que je voulais vous dire, c'est ça le message principal de ce vlog, c'est ne vous fiez pas. Ils vous listent tout, mais en fait, il n'y a rien qui est à jour. Tout est faux. Par contre, je pense que ceux qui sont en top 5 du classement, c'est toujours les mêmes. Eux, je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais ils sont bien en accord avec ce site. Donc voilà, on va partir chez le numéro 3 Spectrum. En attendant, on est dans le mall. Vous pouvez profiter des décorations de Nouvel An chinois qui sont juste incroyables derrière moi. Vous avez vu comme c'est magnifique. Une espèce de bateau gigantesque. Et voilà, le Spectrum est juste là. On va voir si on arrive à avoir du 4900 ringgit ou encore une fois, on va tomber sur du 4600. Parce que là, ça devient grave. Et voilà, encore une fois, et là c'est même de pire en pire. On est là en euros, 4440 ringgit. Donc encore une fois, c'est faux. Je vais essayer d'aller négocier. Hi. Would like to change 1000 euros in ringgit? I have 1000 euros, I want the ringgit Malaysia. Yeah. This one is the official rate because I check online and you have a. Because online it was a 490. Why is it's fake online or? No, it's like they are predict the rate. They are? They are predict the rate. But our rate, we follow the stock, the. Okay. The rate, the average, then we put the rate. Okay, okay. Okay, okay, yeah, because okay. Donc voilà, vous l'avez vu, elle me dit la dame de ne surtout pas se fier aux chiffres en ligne.
Donc maintenant, on va suivre le tips. Tout le monde dit que c'est à Mid Valley, au Lower Grand, que les meilleurs taux de Kuala Lumpur se situent. Donc c'est là qu'on vous emmène. Bon, la team, l'heure de vérité, je suis arrivé à Mid Valley Mega Mall, Lower Grand, Center Court. Et là, on est devant le My Money Master et le MV Forex, donc les deux bureaux de change qui sont annoncés à 4480 ringgit. Est-ce qu'on va réussir à faire mieux que Central ou chez Ghazali? En tout cas, c'est le suspense. Nous pénétrons dans l'antre. Donc là, je vais démarrer par My Money Master, donc pour 1000 euros. On est annoncé 4455 ringgit. Et son petit voisin, il est annoncé à... Ah, celui-là est pas mal. Voilà. Celui-là est clairement le meilleur. 4470 ringgit. C'est le meilleur bureau de change pour le moment, depuis le début. 4470 ringgit. Donc pour l'instant, le MV Forex 4470 ringgit, c'est le record à battre pour la journée. Je confirme les rumeurs qui circulent sur Facebook. C'est bien le MV Forex à 4462 ringgit. Et si vous avez remarqué, une très faible différence, 3 centimes entre l'achat et la revente. Donc ça vaut le coup même pour revendre vos ringgit si vous repartez. Mais alors tout ça, c'est bien, vous allez me dire, mais vous arrivez en Malaisie et votre hôtel n'est pas du tout à Mega Mall parce que personne ne vient ici. Tout le monde va autour de Changkat Bukit Bintang et cette région-là. Donc j'ai envie de vous dire, on va aller faire un bureau de change à Bukit Bintang pour voir la différence. Et finalement, est-ce que la différence en taxi entre Mid Valley et Bukit Bintang, ça nous rembourse l'aller-retour? L'aller-retour, c'est grosso modo 30 ringgit. On va dire 15 allées, 15 retours. Donc si on n'arrive même pas à couvrir ça, j'ai envie de vous dire, la conclusion, elle va être vite vue. Ça va être évidemment de prendre le bureau de change le plus proche de votre hôtel. Parce que finalement, les différences ne sont pas surréalistes, à moins que vous ayez 10 000 euros à changer, évidemment. Mais sur une base de 1 000 euros, de toute façon, j'imagine que vous ne voyagez pas avec des milliards d'euros en poche. Bon, la team. Oula, la coupe, ça va être pire en pire avec le casque. Bienvenue sur mes terres. Nous sommes en bas de Bukit Bintang. Et juste à côté du Kakek Corner, il y a un Money Exchange. Cela, c'est vraiment... Donc, si vous venez dans le centre, vous êtes pratiquement sur un hôtel pas très loin de cette zone-là. Et donc là, je vais aller en direct regarder le taux de change. Alors, pour les euros, là, c'est catastrophique. 4350 euros, à peine mieux qu'à l'aéroport. Donc évidemment, il est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. C'est presque de l'arnaque, là. Parce que là, 4350 ringgit, on était quand même à 4470 ringgit. Juste à l'instant à Mid Valley. Donc un peu décevant, mais évidemment, c'est souvent comme ça dans les zones touristiques. C'est souvent l'arnaque, hein, c'est souvent la gratte. Et ça, ils l'ont bien compris. Le dernier bureau de change de la journée, je me suis rendu à Pavillon, juste à côté du Illy Café et Money Bean, où là, on a, voilà, on a juste derrière moi, ça s'appelle NF Cash Point. Je vous montre, hein, je suis vraiment en bas de Pavillon, dans la galerie marchande. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est pire que tout. C'est encore pire qu'à l'aéroport. 4250 ringgit, 4250. Hein. On était à 4470, hein, donc il y a 220 ringgit d'écart avec le Mega Mall. Donc c'est vrai que le centre, c'est un peu la gratte. Je vais en profiter donc pour faire le débrief de la vidéo juste ici, vous l'avez compris. Donc, le conseil numéro 1, c'est ne surtout pas changer à l'aéroport. Conseil numéro 2, c'est si vous avez une carte N26, c'est cadeau pour vous. Vous allez gagner du temps, de l'argent. Vous y gagnerez votre vie. Parce que moi, l'année dernière, 2018, 500 euros de frais de banque. Grâce à N26, j'ai payé 10 fois 12, 120 euros par an. Donc, j'ai gagné 380 euros sur l'année. Donc, bon, je ne vais pas vous faire de la pub. Je vous ai mis le lien en bas si vous avez envie de souscrire. Regardez au moins ce que ça vaut. En tout cas, moi, je suis ravi. Conseil numéro 3, si vous cherchez évidemment dans Kuala Lumpur ou en centre-ville, évitez les zones trop touristiques du centre-ville. Et le meilleur du marché est évidemment à
Mid Valley Mega Mall Lower Ground. C'est là que j'ai trouvé le meilleur taux pour 1 euro, 4 470 ringgit. Voilà, c'était Papa Dame en live tout seul. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était un plaisir de faire ça pour vous. Soyez cool dans les commentaires parce que j'ai passé quand même du temps à faire ça juste pour vous. Allez pas me sortir que c'était pour vendre des cartes bleues. Si vous n'avez pas envie de prendre des cartes bleues, n'en prenez pas. Je m'en tamponne le coquillard car moi, N26, j'aime bien. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez encore plus de vidéos de ce style, n'oubliez pas le petit partage, le pouce. C'était Papa Dame en direct de Kuala Lumpur Centre. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.